Alors, je reviens vers vous aujourd'hui. Vous voulez faire un beau geste pour une association. C'est pas moi, hein, mais moi j'ai envie d'aller faire un geste à la fin du mois là pour la SPA. J'ai envie de faire un petit geste pour la SPA. J'ai envie de donner un euro et un euro, un euro, un euro. Je vous dis un euro par un euro par un euro par un euro. Et ben ça fait, hein, mine de rien. Si tout le monde donne un euro, hein. Si toute la nous les choubidous là, on donne un euro à la SPA, ben ça fait combien? Eh ben, ça fait presque 2000 euros, quoi. 2800 euros. Mais bon, comme on n'est pas 2000, je ne sais pas, j'ai 3000, je ne sais pas combien j'ai d'abonnés, 2007, 2008, je ne sais pas, 2100, je ne sais pas. Et toujours est-il que, bah voilà, même si ça fait 500, ça fait toujours 500, quoi. Voilà, allez, mes choubidous, on fait ce petit geste, c'est pas pour la Société Protectrice des Animaux, ok. On donne 1 euro. D'accord, je vous mettrai le lien de la SPA. Et si vous voulez le faire, 1 euro, franchement, 1 euro, rien d'autre, rien de plus. Et avec 1 euro, on monte. Et bien, si on est 10 à donner, et ben, ça fait 10 euros. Voilà, et ben, c'est déjà ça, c'est 10 euros. Ça veut dire qu'on pourra donner des petites croquettes à des petits animaux qui sont perdus, qui sont affolés, qui sont stressés. Voilà. Voilà ma truc du jour. Et je suis maquillée à la Wear Again, comme d'hab, avec la palette Foil Crazy et une autre. J'ai mélangé deux palettes. Et je viens d'aller voir mon médecin, mon nouveau médecin traitant, parce que celui que j'avais, bah, il m'arrêtait, mais il ne me soignait pas. En l'occurrence, celui que j'ai vu, il est très très bien. Maintenant, c'est mon nouveau médecin traitant. Je vous raconte ma life, c'est pas grave. bon, bah oui, il n'y a pas à dire. Je suis déprimée, même si ça ne se voit pas. C'est pas parce qu'on sourit, c'est pas parce que... Voilà, bref. Donc, il m'a arrêté un mois. À partir du 30, il m'a arrêté un mois. Demain, je vais voir mon travail, super gentil. Elle m'a dit, je vais aller les voir parce que bon, voilà, ça va être compliqué. Je vais passer à mes traitements. Il va falloir que je fasse jouer mon assurance. Enfin, bon, voilà, tout ça, ce n'était pas le but. Mais malheureusement, ben, on en arrive là et... Ces acouphènes sont d'une violence inouïe. Donc, il m'a augmenté un traitement. Attendez, j'ai une amie qui m'envoie des messages. Il m'a augmenté mon traitement. Alors, effectivement, comme vous pouvez le voir, j'ai une très bonne mine parce que je suis très reposée. Mais ça ne veut pas dire que là-dedans, ça va encore. Il faut du temps, il faut que ces acouphènes puissent partir. À l'heure où je vous parle, ils sont très forts. Mais c'est comme ça, c'est... Voilà, mais il m'a rassurée et il m'a dit les vertiges ménières, effectivement, c'est invalidant. C'est quelque chose de très, très invalidant. Mais on ne meurt pas. Et ça, je savais qu'on ne meurt pas de ça, mais ça, c'est, ça épuise, c'est horrible. Voilà, donc, sur ce, je suis allée... J'ai marché parce qu'il faut que je marche. Comme il m'a dit, continuez votre vie. Mais je lui ai dit, mais j'y arrive pas. Il me dit, je comprends bien. Il me dit, mais reposez-vous, faites ce que vous voulez. Je lui dis, je regarde des films, il dit, regardez des films, faites des vidéos si vous voulez, faites ce que vous voulez, détendez-vous, changez-vous l'esprit pour ne pas entendre ces acouphènes qui sont extrêmement forts. J'ai perdu, bah, pour vous dire, j'ai perdu 85 décibels, voilà, depuis que je suis malade, là, j'ai perdu 85 décibels sur cette oreille-là. Et si malheureusement j'avais que ça, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a aussi le bruit qui est très puissant, enfin bref. Bon voilà, on va pas se plaindre, hein, c'était juste pour vous dire ça. Il faut que je me repose, c'est ça. Et comment vous expliquer? J'arrive pas à vous expliquer en fait. C'est qu'ici, d'abord ça siffle, ça siffle, ça siffle, c'est comme si vous entendiez tout le temps. Je suis fatiguée alors que ça se voit pas du tout, mais c'est mon cerveau qui est fatigué. Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais les vertiges ménières, c'est une chose, c'est extrêmement violent. Ouais. Mais après, vous avez dans cette maladie de merde, hein, je dirais bien de merde, après vous avez une perte d'audition. Et quand je vous dis que j'ai perdu l'audition, c'est dramatique, quoi. 85 décibels sur l'oreille gauche, et il reste plus grand chose, hein. Il reste que 15%. Hein. 90, 100, oui, il reste que 15%, donc il faut que je mette un petit appareil, là. Et, bah, pour justement, pour aller mieux, quoi. Et, bon, voilà, on va pas se plaindre, hein, c'était juste pour vous dire ça. Je suis allée à Monoprix. Alors, tout d'abord,
D'abord, j'étais chez comment ça s'appelle? Totosold. Vous rappelez que moi, j'aime bien transformer les choses. Alors ça, c'est un coupon, comme ceci. Il n'y avait plus vert, tout vert, malheureusement. Il y avait que les toucans, mais bon, je préfère quand même le prendre comme ça. Et je vais le mettre sur mon canapé, voilà, parce que la dimension, elle est très grande. Il fait 3 mètres sur 1,50 m, donc il est parfait. Il faut que je le lave. Je ne le mets pas comme ça, hein, je vais le laver. Et donc, 3,50 m, mais vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein, vous pouvez faire une robe. C'est un coupon, hein, vous faites une robe, vous faites ce que vous voulez. Rideau, robe, nappe, tout ce qui vous passe par la tête. Petite combi aussi, short, parce qu'il y a assez. Moi, je veux juste, c'est pour mettre sur mon canapé, donc je ne vais pas me prendre la tête. Je vais juste le poser et basta. Alors... Ah ouais, c'est le truc que j'ai acheté à Action qui bouge. Alors, je suis un peu déçue, mais bon, ça va, je n'ai pas payé trop cher. J'ai acheté ceci, ce sont des cahiers. J'en ai acheté 4 de Claire Fontaine, les 4. Oui, bon, bah, il y a un dessin dessus, mais je m'en tape royalement. C'est pas le but, je m'en fous. Ah non, ah non. La blonde. Putain, il y a longtemps. Ah. Allô. Allô, Yustan? Oui. Ah là là, je sais, ça fait longtemps. Hein. Oh là là, mais j'étais malade, j'étais bien malade. Je suis encore malade, mais ça va. Hein. Mais je veux dire, voilà, maintenant, il faut prendre la vie du bon côté. Oui, Yustan, on a un gros problème. Parce que Sylvie, il a cru qu'il y avait ça sur le cahier. Faut être nul, hein. Eh ben non, c'est juste une affiche. Et en fait, ce sont des vrais cahiers Claire Fontaine. Bah dis donc, 2,50 les 4, franchement, j'ai fait une super affaire. Parce que moi, je pensais sincèrement qu'il y avait ça sur chaque cahier. Eh ben non. Donc, je vous expliquerai pourquoi. C'est pour faire du développement personnel. Voilà, parce que je suis déprimée. Il va falloir que j'écrive beaucoup de choses. Ici, là, je vais mettre positif. Et ici, non, négatif. Et là, je vais mettre positif. C'est-à-dire que je vais faire deux colonnes. Je vais faire deux colonnes. Je vais faire une colonne négative, une colonne positive. Tout ce que j'aime... Tout ce que j'apprécie... je veux dire, la chose qui est négative... genre voilà, j'ai des vertiges ménières, c'est casse-pied. La chose qui est positive, et ben voilà, j'ai du repos pour moi. Vous voyez, on va faire un truc comme ça. Voilà, je vais faire ça. Après, je vais prendre. Je ne sais pas pourquoi je tourne la page, puisque de toute façon, il n'y a rien d'écrit. Non, mais Houston, on a vraiment un problème. J'ai vu, elle a pété une durite. Hein. Et donc, du coup, là, je vais faire une colonne avec un smiley. Alors, de ma journée, soit ben, je suis bien, je ne suis pas bien. En général, je suis toujours bien, j'ai toujours le smile, même si ça ne va pas. La deuxième, il faut que je me mette une phrase que je répète 5 fois par jour. Alors, ben, je suis bien, je n'ai rien, tout va bien. Je suis bien, je n'ai rien, tout va bien. Je suis rien, je n'ai bien, tout va bien. Je suis rien, je n'ai bien, tout va bien. Je suis rien, je n'ai bien, tout va bien. OK? Et là, un objectif. Aujourd'hui, j'ai fait... Il faut que j'atteigne mon objectif 6000 pas, c'est-à-dire presque 5 km. Aujourd'hui, j'ai fait, je les ai atteints. Voilà, aujourd'hui, j'ai atteint mes 5 km que j'ai fait dans la journée, ou peut-être voir plus dans la matinée. Voilà, mais il faut marcher pour l'équilibre de l'oreille, c'est important pour moi. Voilà, tout ça, vous pouvez le faire vous aussi. D'accord? Voilà, donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais m'astenir. Excusez-moi, s'il vous plaît. M'astenir. Non, ça ne se dit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais dire un mot, mais j'arrive plus. Je voudrais m'astreindre. M'astreindre. Non, parce que m'astreindre, c'est privé. Bref, vous avez compris. Je voudrais faire ça. Voilà, c'est plus simple. Pour que chaque jour, ben, je puisse m'aider par rapport à ça. Donc, j'ai 4 cahiers. J'ai de quoi faire pour 2,50 €. Il y en a, allez-y, à Monoprix en ce moment. Mais ce coussin, je l'avais acheté à Carrefour. Je l'adore, Marc. Voilà, il y a bleu, rouge, vert et bleu marine. Ben, c'est très bien. Et combien il y a de pages? 96 pages. C'est parfait. Et est-ce que c'est des petites lignes comme... Ben ouais, voilà. Donc, ensuite, vous savez quoi? Je suis patiente, hein. Mais il va m'énerver celui-là. Il va m'énerver, hein. Voilà. Alors, bon, je crois qu'on va abandonner parce qu'il me saoule, hein. Bon, ouais, pépère, mets-toi là. Allez, hop, on n'en a rien à foutre. Hein. Mais, voilà. Alors, ceci, c'était 2,99 €, je crois.
Ouais, 2,99 je crois, ou 3,29. Et en fait, j'ai eu 50% sur l'autre. En économie, j'ai eu 7 euros pour le tout, hein, pour le tout de mes courses. Hein. Voilà, donc j'ai acheté un et du coup, j'ai eu 60% sur l'autre. Donc, ça vaut le coup, Monoprix. Et c'est Diadermine Waterproof. Ensuite, j'ai trouvé ceci. 1,49 €. Ah, je sais pas, il y en avait un bleu qui était pour les soins, mais qui était plus doux. Et je me suis dit, il va mettre 3 plombes, alors je préfère celui-là qui est plus rapide, 1,49 €. Voilà. Allez, on y va. Alors, papier toilette, je l'ai payé 2,99 € le trèfle blanc. Bon, il faut qu'il soit blanc. Et il est à quoi? Il a rien d'ailleurs. Il a l'aloe vera. Voilà, mais je m'en fous. Alors, ce que je veux, c'est du papier épais et du papier blanc. Bon, bref, je ne vais pas faire un cours sur le papier cul. Alors, là, c'était 2,15 € et le deuxième à 60% ou 70%. Donc, je ne sais plus. Je vous dis, j'ai eu 7 euros d'économie pour le tout. Voilà. 2,15 € et 70% le deuxième ou 60. Mais franchement, ça vaut le coup, hein. Et il y en a 9 tranches et c'est l'original. Alors ça, comment vous dire que j'en sais strictement rien? Je ne sais pas. Je sais que j'ai eu 60% dessus. Je sais pas combien j'ai payé. Il n'y avait pas de prix. Mais j'adore. Et McVitie's, vous connaissez, au chocolat, c'est une tuerie. Mais quand je vous dis que c'est une tuerie, par contre, c'est marrant, ils sont mis. On va regarder. Parce que normalement, c'est pas comme ça la boîte. Ah, ils les mettent comme ça maintenant. Avant, ils les mettaient comme ça. Ça, bref, vous avez compris. Voilà, ça, si vous connaissez, dites-moi en commentaire, c'est une tuerie, les McVitie's. Ils ont changé le packaging, en fait. Ça, bah, j'en ai acheté hier, mais j'en achète aujourd'hui, parce que 1,39 € les deux, franchement, ils sont très, très bons. J'ai commencé par ceux-là, et franchement, ceux de Monoprix, ils sont délicieux, c'est une tuerie. J'ai été à la boucherie, chez le traiteur à Monoprix, je me suis pris 150 grammes de choux rouges parce que j'adore les choux rouges et j'en ai eu pour 1,24 €. Franchement, 1,24 €, c'est top. Un avocat, alors là j'ai cherché, je me suis dit à Auchan il y en avait, mais 1,99 €. Ben là je payais le même prix, sauf qu'il est deux fois plus gros et je suis sûre que Monoprix, il n'y a pas de problème. Regardez comme il est beau. Je vais me faire un avocatos. Alors je vous explique. Je coupe l'avocat. J'ai pas acheté de saumon par contre, mais bon, c'est pas grave, je ferai autrement. J'achèterai du saumon fumé ou de la truite fumée, c'est meilleur la truite fumée que ce saumon fumé. Vous prenez du pain grillé, ben, du pain de campagne, vous le faites griller, vous écrasez au préalable la moitié d'un avocat, vous l'écrasez, vous mettez les épices que vous voulez. Moi, je mets de la ciboulette, je mets des échalotes, je mets des tas d'herbes que j'ai, que j'adore. Que j'ai acheté à Action, là, les trucs au poisson. Il y en a un qui est au poisson fiche. Je ne sais plus, c'est Mister Pepper, je ne sais pas comment il s'appelle. Et franchement, c'est une tuerie. Et donc, je mets ça avec ça. Mais vous pouvez mettre très bien avec de la pulpe de mangue, en vinaigre pulpe de mangue. Vous pouvez mettre avec les herbes que vous avez, salade, de l'oignon. Voilà, et vous faites votre avocatos. Vous pouvez même faire revenir, ça doit être très bon, de l'oignon dans une poêle. Juste un peu fondant et vous le mettez avec le bocados, avec l'avocat écrasé et après vous mettez ça sur votre pain grillé et vous mangez ça et vous pouvez même mettre un œuf dessus, c'est une tuerie. Moi je mets pas d'œuf dessus mais j'adore. J'adore, mon fils il adore et en plus moi je mets de la truite fumée dessus. Et puis je mets des petits morceaux de crevettes, enfin, bref. Ça c'est une pâte d'ours, vous connaissez la pâte d'ours? Et bien c'est ça. Combien j'ai payé? 90 centimes, je pense. Une demi-baguette, mais on s'en fout. Et voilà. Et j'ai pris ceci. J'ai payé 2,15 €. Alors, ça, c'est une tuerie. Alors, c'est du jus de orange, pamplemousse, framboise. C'est du pur jus. Il n'y a pas de trafic là-dedans. Attendez, est-ce que je vois rien avec. Il a plu. Je suis trempée. J'ai pas voulu sortir mon parapluie. D'abord, j'avais un joli parapluie que j'avais acheté à Sostiguin, à Châtelet. Voilà mes achats. C'est très peu. Et puis, pour finir, j'ai trouvé ceci et je me suis dit, ma fille, tu vas pas y louper. Hein. Je vais le tester.
Garantia. Attends, qu'est-ce que j'en mets à l'envers. À l'endroit, oh là là. Je dis, c'est la fatigue. Et donc, du coup, bah, j'ai acheté ceci. Et franchement, je l'ai acheté pour ça. 2,40€ le L. Alors, vous avez le magazine L. Il n'y en avait plus qu'un. Et justement, je le voulais jamais. Je me suis dit, jamais, je l'aurai. Jamais, jamais. Et en fait, c'est sulfureuse pâte de marabout, pâte purifiante, nettoyante, détoxifiante. Ça, ça coûte cher, hein. Ça sent rien, mais c'est rose. Voilà, ben ça, je vais le tester. Et puis, je pense qu'on va le tester ensemble avec Alain, parce qu'Alain vient jeudi. Et heureusement, parce que Tachito, je ne le vois pas. C'est un homme d'affaires. Et donc, en tant qu'homme d'affaires, businessman américain, ben, je ne le vois pas beaucoup. Il est tout le temps en train de bosser. Il est sur Paris, mais il ne vient pas à la maison. Il vient venir, il n'est pas venu. Du coup, c'est Alain qui va venir. Et Alain, je l'adore, tout comme Tachito aussi. Hein. Et du coup, ben voilà. Tendance bon plan, psycho. Les 20 trucs de la rédaction pour ensoleiller l'automne. Ah ouais. C'est Cœurette. Ah, j'ai un petit bisou à Cœurette. Je ne sais pas si elle me regardera, elle ne me regardera certainement pas. Mais Cœurette, c'est Tania, je crois. Elle est avec Jérém Star, elle est trop marrante. C'est trop rigolo et j'adore quand elle fait ah ouais. Elle est trop mignonne. Bon, bref, Sybille, arrête de péter les plombs, t'es fatiguée. Donc, sur ce, je vais aller laver ceci. Je vais le mettre. Franchement, pour 14€, vous vous rendez compte, sincèrement. 14€, il n'y a plus de prix, je pouvais. 14€, c'est un truc de malade, quoi. Voilà, mes choubidous. Quoi vous dire, si c'est important, j'ai plus de batterie. Pourquoi il clignote? Bon, écoutez, sur ce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné.